Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Agent47 et bienvenue aujourd'hui dans notre deuxième vidéo, c'est notre let's play sur Assassin's Creed, bien sûr Assassin's Creed Syndicate. On se retrouve dans le deuxième épisode. J'ai vu que le premier épisode vous avez... Alors pour le moment il y a zéro vue, au moment où je vous parle, j'espère que ça fera bouger un peu de gens. Je pousse un peu ma table. Alors, on se retrouve pour la deuxième vidéo, c'est-à-dire la deuxième séquence. Alors, ça ne veut pas dire bien sûr que je fais pas une vidéo par séquence. Oh, le temps de chargement a pas mis trop de temps. Ah oui. Je disais. Alors, dans l'épisode précédent, on avait tué. Comment il s'appelait? Non. Rupert Ferris. Et voilà, là on était. Je suis en route, Sir Brewster. On a été sur la route de Brewster, de Sir David Brewster sur PlayStation 4. J'ai vu en tout cas que. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième vidéo comme d'habitude. De ce très bon jeu, de ce très très bon Assassin's Creed. Comme vous le savez, j'ai mis cet opus en deuxième de. À nous trois, messieurs. Là, je pense qu'on arrivera à Londres dans cette vidéo, c'est sûr. S'il vous plaît, Miss, ne nous dénoncez pas. Donc à l'instant je viens de télécharger deux petites extensions, la conspiration de Charles Dickens et The Dreamful Crimes. C'est des petites enquêtes à faire pour notre let's play à 100% encore pour une petite deckée. Je devrais les occuper pendant que j'entre dans le laboratoire. C'est la cinématique. Tu vois, le jeu est toujours aussi beau, hein, ça change pas. Ma vidéo top 9 sur les vidéos sur les. Suivez-moi le long des voies. Reste ici et ouvre l'œil. D'accord. Si je vois quelque chose, je crie. Prenons un peu d'altitude. On n'est jamais trop prudent. Comment ça s'est détaché? Ça ne regarde pas. Ramène la cargaison. Ça va jouer discret. Sincèrement besoin de 2 semaines. Vos pratiques plus que douteuses commencent à attirer un peu trop l'attention. Vous avez eu largement le temps d'obtenir des résultats, Sir David.
J'ignorais que j'étais censé me comporter comme un vulgaire caniche. Permettez-moi de vous rappeler vos obligations envers l'ordre. Miss Thorne, soyez certaine que je fais déjà tout mon possible. Sir David, je serai de retour demain. Si vous n'avez pas percé les secrets de cet objet, nous verrons comment un caniche survit face à une meute de loups. Adieu. On m'avait simplement promis de me faire visiter les lieux, Milord. Qui t'envoie? C'est l'un des espions de Green. Procédez à son interrogatoire. Puis envoyez-le au laboratoire. C'est bien dommage, mais je dois me concentrer sur ma mission. Nidaltisel, être un assassin. Les assassins sont plus forts lorsqu'ils s'infiltrent dans les zones dangereuses depuis une hauteur. Utilisez la vision d'aigle L3 pour identifier les opportunités et de discrétion et d'assassinat. Les cachettes et objets utiles présenteront une surbrillance. Infiltration. On se l'a fait assez bourrin avec Jacob. Maintenant, on va essayer de la faire un peu plus d'infiltration avec Ivy. De Brewster. D'après nos investigations, il devrait être ici. Chut. Un laboratoire secret? Eh bien, je peux peut-être les aider à l'interroger. Merci, Pardy. J'étais vraiment dans un sale pétrin et tout d'un coup, vous me sauvez la mise. Où est le laboratoire secret? Détachez-moi et nous pourrons causer, Milady. Je n'ai pas le temps. Dis-le-moi maintenant. Il est sous terre. Il faut une clé. L'un des gardes m'a pris la mienne. Merci. Vous me détachez? Tu as su entrer. Je suis certaine que tu sauras repartir. Ne vous en faites pas, Milady. Mon séjour chez les forains m'a enseigné un ou deux tours. Charmant.
Ça, je sais pas comment il fait, mais j'aimerais bien savoir. Par contre, là, il y avait des gens. Donc, on est toujours en 720p. Je sais, je pense que vous êtes heureux, ça, d'avoir de la bonne qualité d'image pour un très bon jeu. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, en ce moment, c'est vrai que je passe énormément de temps sur mon petit PS4. Chérie. Hey, que quelqu'un l'attrape! Elle n'a pas le droit d'être ici! Ah, mon Dieu! Ah, je crois... Attendez, je crois pas que j'ai amélioré... le malaise en ligne, ça passe des années. On peut pas encore. Il y en a pas mal de trucs hein, déjà. Comment on fait pour... Ah là-haut. Je sais que ça vous fait plaisir, n'empêche de d'avoir un let's play en 720p. Faites-le moi savoir en commentaire et il y aura peut-être Assassin's Creed Rogue Rebel Remaster HD. Car oui, j'ai pu me procurer, comme vous le savez, le Assassin's Creed Rogue en version remasterisée, qui est pour moi en ce moment un petit coup. La plupart des Assassin's Creed, un coup de cœur, sauf pour moi le troisième. J'aime énormément les Assassin's Creed, moi c'est vrai que c'est une série que je tiens énormément à cœur grâce au 4 et au 2, surtout en particulier le 2. Garde cette clé dans ta poche ou Miss Sand va t'arracher les yeux. Allons faire un tour en bas alors. J'ai envie de voir cet objet. N'y va pas si tu tiens à la vie. Choqué là. Je l'ai. Et là on lui en a foutu je sais pas combien. Mais tout va bien. Ah je suis trop... Ah c'est trop bien, sérieux. Ah il y a un petit succès par ci, un petit succès par là. Alors l'eau j'étais pour le moment, on pouvait faire des oscillants trucs mais faites-la sortir d'ici. Là, elle a rien à faire là. Toi, tu vas voir tes tripes. Je vais m'ennuyer. Crachez-lui la gorge.
Infiltration, c'est pas tout à fait ça. Enfin, perso, je trouve que moi, l'infiltration, c'est pas tout à fait ça. Voilà, se relever. Donc pour Jacob, j'ai téléchargé il y a 10 petites minutes. Une petite tenue assez sympa, vraiment. Que quelqu'un l'attrape! Et voilà, l'entrée du laboratoire de Brewster. Ouais, c'est vrai que Assassin's Creed Syndicate, j'étais un petit peu sceptique à l'idée de, voilà, du grappin, tout ça. Et en fait, et bah tout, en fait, ça va. En fait, vraiment, quand... apprendre ça, en fait, cette compétence nous sert tout simplement que quand on tue un ennemi, pouf, on récupère directement ce qu'il a. Voilà. Et c'est beaucoup plus rapide que de chercher, on sait que ce que l'on a. Et par exemple, eux, vu qu'on les a pas assassinés, bah on est obligé de les fouiller. Mais c'est vraiment seulement ceux que l'on a assassinés. Il faudra que. Ouais, pour plus tard, s'il y a une compétence ou pas. Oh. Des vies en tenue mouillée. Là, il y a le système par les eaux. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça moi, mais. Après tout. Le fragment d'Éden.
augmenter l'intensité. Cela risque de devenir instable. Vous avez entendu Miss Zorn, elle exige des résultats. Voilà, donc on va essayer de faire le effectuer un assassinat aérien sur aérien contre Sir David Brewster. Mais non, mais... J'arrive d'avoir le truc alors. Boum, on l'a eu. L'heure est venue de vous reposer, Sir David. Il me reste tant de choses à découvrir. N'ayez aucune crainte. Oui. Dieu me protège. Je poursuivrai votre expérience. Vous n'arrêterez jamais, Sarik. Miss Zorn a déjà trouvé un autre fragment d'Éden, plus puissant que celui-ci. Alors je m'en emparerai aussi. Nous convoitons ce que nous ne pouvons posséder. C'est là notre nature. Ah ouais, tu vas trouver une issue, t'inquiète pas, par là. C'est un peu la merde, hein. Donc ouais, normalement aujourd'hui on arrivera à Paris, à Londres.
J'espère qu'on va arriver à Londres aujourd'hui. J'aime pas, vous savez, quand on est vraiment comme ça, même dans la vraie vie, quand vous êtes comme ça dans la vraie vie, c'est vraiment horrible. Allez. Ouf. Fait... Ah merde, bon. On aura quand même bien 1000 et 2000 d'XP, c'est quand même vraiment pas mal. Vraiment très sympa cette séquence. C'était quoi cette explosion? Quelle explosion? Evie? Le fragment d'Eden a détruit le laboratoire en explosant. Ce morceau magique de métal hyperbolique? Quelle surprise! Ce n'est pas parce que tu n'as jamais cru à ces fragments que tu dois... Tout s'est déroulé comme prévu, hein? Il y a eu un léger problème. C'est-à-dire, le labo a explosé. Jacob! Tu as fait dérailler un train. Ah! Il a fait ça. Tiens, tiens. En fait, le train a déraillé pendant que j'étais dessus. Mais j'ai tué ma cible. Brewster est mort, lui aussi. Alors au final, cette mission fut un succès, malgré vos errements. Que fait-on pour Londres? Londres, c'est-à-dire? On perd notre temps ici. Tu sais aussi bien que moi que Londres est entre les mains des Templiers depuis près d'un siècle. Et ils sont encore bien trop puissants. Patience. Mais les Templiers ont trouvé un nouveau fragment. Sir David est mort. Ils ignorent comment s'en servir. Seul le Conseil pourra nous guider. Une sage décision qu'aurait approuvé votre père. Nous nous retrouverons plus tard à Crowley. Patience, Evie. Et voilà, encore une occasion qui nous passe sous le nez. Qu'est-ce qui nous retient? Londres attend qu'on vienne à son secours. Oublie Crowley! Père aurait voulu que nous écoutions. Oh, père! Tu pourras poursuivre son œuvre à Londres. Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. Tu sais, Jacob Fryer, tu n'as pas tout à fait tort. Alors qu'est-ce qu'on attend? Rien. On y va. En route pour Londres! Waouh, 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 Assassin's Creed Syndicate. Waouh, waouh, waouh. Voilà les amis. Alors ça t'a plu? Ah oui. Et ce n'est qu'un petit aperçu du dernier joujou récupéré chez Abstergo. Mais je m'inquiète pour Sean et Rebecca. Je ne crois vraiment pas qu'ils devraient attaquer un Templier. Très très bon cette petite séquence. Appel au docteur Grammatica. Allez. Oh, Isabelle. Quelle bonne surprise. Nos amis communs seront bientôt là pour localiser l'artefact. Je vous préviendrai dès que ce sera fait. Parfait. C'est toujours un plaisir. Connard. Ce sont les gens comme vous qui font du tort aux historiens. Je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer, monsieur Hastings. Merci. Vous m'avez mâché le travail, comme on dit. Oh, merde. Ça s'annonce mal. Monsieur Berg, agent d'Acosta, occupez-vous d'eux, je vous prie. Allez! Rattrapez-les! Vraiment juste super stylé. Il leur suffisait d'attendre que tu fouilles les données. Leur petit numéro a mis en danger toute l'opération. Tu dois synchroniser les mémoires de Jacob et d'Evie. Trouve quelque chose qui nous donne de l'avance sur l'ennemi. Tu vas devoir te dépêcher, ou alors des gens vont y laisser leur vie. Bonne chance.
Merci. Après, on aurait facilité la situation de David et Charles II. Marcher les ennemis en regardant en vision d'elle, il est possible de voir les ennemis marqués à travers les murs. Jacob. C'est doute un de mes préférés. On appelle. Mettez sur pause si vous voulez lire. J'espère que vous entendez pas les bruits de la console, que c'est vrai que j'ai jamais tourné avec ce truc là. On va s'arrêter, je pense, après cette petite mission. Après. Mais c'est vrai que pour le moment, j'aime beaucoup. Surtout tourner avec vous, c'est vraiment super cool. Je n'ai jamais vu autant de gens à la fois. L'océan grouillant de Londres. Comme père nous l'avait décrit. Nous devons trouver Henry Green et préparer notre attaque contre les Templiers. Qui est Monsieur Green déjà? Tu n'as pas écouté les trois premières fois? C'est l'assassin qui veille sur Londres. Et alors, quoi? Hé, hey, fais attention! Monde, pardon, monsieur! Hé hey, reviens ici, sale petit voleur! J'étais en mute alors. Et il m'attend, hein. Il me nargue. Je hais bien, petit chapardeur. Garde-le. Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes sur notre territoire. Profite de tes derniers instants. Passez sur toi. Excellent. Je me demande ce que Londres a d'autre à offrir. Ce n'est pas le moment de visiter, Jacob. Ce qu'il faut, c'est trouver Green. J'ai toujours été la meilleure à l'escalade. Tu te souviens? Oui, quand on avait 2 ans. On fait la course jusqu'au plus haut sommet. Tu sais que tu vas encore perdre. Ça m'étonnerait. Se trouve la boutique de Monsieur Green. Elle était marquée sur la carte de père. Deux assassins, de la même taille, un homme, une femme, âgés de 20 ans à peine, et ses sourires malicieux. Vous devez être les jumeaux Fry. Et vous êtes? Henry Green, pour vous servir. J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père. Merci. Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford Starrick? Cette demande émane sans doute du Conseil. Il faut libérer Londres. Ses habitants méritent un meilleur avenir. Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous envoie nous aider. Oui. Le ciel soit loué. Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Starrick est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers aient créée dans tout l'Occident. Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine. Toute la ville de Londres est sous son emprise. J'ai toujours voulu être un chef de bande. Dur, mais juste. Nous aurons un uniforme. Je réunirai autour de moi tous les laissés pour compte, sous un même nom. Je le sais, Evie. Nous allons les rallier à notre cause. Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve. C'était différent, ils m'avaient battu au whist. Tout est clair maintenant. Nous nous appellerons... les Rooks.
Tu te vois à la tête d'une bande? Tu as une meilleure idée? Trouver le fragment d'Eden. Oh. Eh bien, permettez-moi de vous guider. Quand vous voudrez. Ah zut, j'ai pas enlevé le... j'étais pas en mute. Bon, excusez-moi si vous avez entendu 2-3 petits bruits. Ah. Du coup. Regardez ce que Starik a fait de cette ville. Whitechapel est rongée par le crime. Les enfants travaillent, malgré les lois. Une bande, appelée les Blighters, fait régner la terreur. Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre. Comme dans chaque quartier, nous devons rendre cette ville aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains. Nous libérerons Londres de Starik. Je vous donne ma parole. Et moi, Merox. Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur. Venez. Retournons à mon échoppe. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore oublié de mettre le mute. On va s'arrêter quand on aura fini cette petite mission. Restez discret. Kellogg est à ma recherche. Qui est ce Kellogg? L'un des chefs de bande de Starik. Et qu'est-ce qu'il te veut? Il est bien décidé à s'emparer de mes travaux sur l'un des artefacts des précurseurs. Le fragment d'Eden. Parle-moi un peu de ces Blighters. Starik a unifié les pires habitants des bas-fonds pour se forger une armée. Toutes les bandes qui ont tenté de s'y opposer se sont fait massacrer. Il ne reste plus que les Clinkers de Whitechapel. Mais ils ne font pas le poids face aux Blighters. Eh bien dans ce cas, allons fédérer ces Clinkers. C'est justement le genre de recrue qu'il nous faut. Dis-moi que tu plaisantes. Evie, ils sont prêts à se battre contre les Blighters. C'est l'occasion idéale. Attention Londres, les Rooks débarquent. Diable, cette ville, personne ne regarde où il met les pieds. Ouais, j'avais remarqué. Malédiction. À ce compte, je n'aurais jamais fini. Seule la Providence sait où iront s'échouer ces mots. Eh bien, je vais m'activer à les remplacer. Et si vous avez un jour envie d'entendre une histoire, vous me trouverez là où la bière est chaude et les caractères bouillants. Adieu. Très étrange, cet homme. Cet homme, Monsieur Fry, est Charles Dickens. Cette ville ne recèle aucun secret pour lui. À votre place, je resterai en bon terme avec un tel personnage. Les hommes de Kellogg sont ici. Il ne faut pas qu'ils me suivent. On va s'en occuper. Tenez, vous saurez sans doute vous en servir. Oh, ça c'est certain. La voiture est tout prêt. Servez-vous-en pour les éloigner. Je vous retrouverai au magasin. Enfin, j'améliore ce mute, hein. Vraiment, vous entendez tout, je pense. Allez, c'est bien. Il faut qu'on les éloigne de... Voilà les zombies. Leurs voitures ne sont pas très coriaces. Kellogg va regretter ces jours. Et c'est grâce à cette qualité que je deviendrai chef une fois notre mission accomplie. Tu n'as rien en commun avec George. Avec toi aux commandes, la confrérie s'effondrerait en quelques jours. Dure parole, ma chère sœur. J'espère que Monsieur Green sera sain et sauf. Ne me dis pas que tu t'es déjà entiché de lui.
Jacob, que fera-t-on si notre principale source d'information passe l'arme à gauche? Starik ne sera pas si dur à débusquer. Je propose qu'on fasse demi-tour et qu'on aille le traquer. Voilà pourquoi tu ne seras jamais chef. Vous les avez semés? On a même fait un peu de zèle. Qui sont tous ces gens? Au fil des ans, j'ai noué quelques relations aux quatre coins de la ville. Magnifique! Il nous faudra toute l'aide. Il nous faudra de l'aide? On va rallier les bandes de Starik. On va saper son emprise. Tu ne vois pas assez loin. Starik a des appuis dans toutes les sphères de la société. On doit le contrer. Je vois ce que tu veux dire, Evie. On a besoin des Rooks. Tu ne vas pas créer une bande appelée les Rooks? Je crois que j'ai peut-être une idée. Faites en sorte que la police ferme les yeux sur vos activités. J'ai un allié, le sergent Aberlin. On m'a dit que c'était un maître du déguisement. Ensuite, il y a les orphelins. Les orphelins? Les orphelins. Les enfants font d'excellents espions. Clara Audi. Futée, cette petite. Et puis, gardez toujours à l'esprit que Starik n'agit jamais seul. Il a des chefs de bande dans chaque quartier. Vous ne tarderez pas à les voir, c'est certain. Rexford Kellogg, renommé pour sa capacité à s'évanouir sous vos yeux. Faut-il le faire s'évanouir pour de bon? Je suppose. Un instant. Un templier qui mérite votre intérêt. Prenez garde. Les rues sont dangereuses. Ne t'en fais pas pour moi, Grigny. Je saurai me défendre. Quel est ton plan, ô esprit calculateur? C'est toi? Mon cher frère, le grand calculateur. Les bandes, les combats, jusqu'aux tenues que vous porterez. C'est peut-être à toi de mener la danse. Si tu insistes. Tu feras moins fier avec...